Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous Gérard Miller, Philippe Gueluc, Elsa Fayère, Christophe Alévèque, Isabelle Motreau et Annie Lemoine. Ça, Gérard, vous aviez l'air ailleurs. À quoi pensiez-vous? Vous aviez l'air absent. Je suis presque en vacances. Ah, c'est ça. Ah. Vous allez faire quoi pendant vos vacances, Gérard? Mon premier déplacement, c'est notamment un coin de France que je ne connais pas, la Camargue. La Camargue. La Camargue. Vous allez en Camargue. Cette crève ne passe pas. Je ne sais pas, c'est vous qui m'avez peut-être filé ça ce week-end. Moi qui prends de vos nouvelles toutes les heures. C'est un peu trop. Je n'étais pas malade, moi. Ce baiser qu'on s'est échangé ce week-end, peut-être que... T'as quelque chose à te reprocher? Ah non. Tous ceux qui t'ont embrassé ce week-end, ou plus, je voudrais sont malades. L'année dans des conditions dignes. Eh bien, partez. Philippe Gueluc. Alors, je voudrais vous donner des nouvelles de l'affaire en cours. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, nous recevions ici Hélène Segarra. Non, Segura. La femme de l'ancien braqueur qui est en cavale pour l'instant et dans la justice belge demande l'extradition. C'est vous qui le cachez maintenant. Non, alors j'avais promis, comme je dînais avec le roi des Belges, j'avais promis de transmettre un courrier. Alors je peux vous donner, ce dîner a eu lieu. Je pensais que ça allait être un petit dîner, qu'on serait quatre, ma femme et moi et le roi et la sienne. Vous comprenez. Eh bien non, il y avait 2000 personnes à ce dîner. 2000 personnes, toutes avec une enveloppe et un petit mot à donner au roi. Évidemment. Alors, je me suis mis dans la file d'attente. Et donc, alors, je ne l'ai pas rencontré, je dois être franc, je ne l'ai pas vu. Enfin, si, je l'ai vu, mais à 300 mètres de moi. Voilà, donc le dossier est en cours par les avocats. En gros, vous êtes en train de nous dire que vous vous êtes fait mousser la semaine dernière en nous racontant que vous alliez dîner avec le roi et que c'était pipeau, quoi. Hein? C'est un peu ça. Je dois vous avouer, et ça c'est exact, que la semaine prochaine, je dîne en tête à tête avec Monica Bellucci. C'est pas vrai. Oh. Non, c'est pas ça. Elle le sait. Moi, je remercie Rob Dizem qui hier a dit un mot très gentil. Ah oui, sur vous, il voulait vous voir, vous n'étiez pas là. Voilà. Pas de peau pour lui, il est tombé sur Christine Bravo, dis donc. Isabelle, vous serez d'accord, il est temps, je crois, de passer à la photo Absolument. Du jour. Et cette photo, c'est celle du nouveau logo EDF qui sera révélé officiellement le 7 juillet prochain. Le Parisien nous montre la différence entre l'ancien et le nouveau logo EDF. Bon, alors, la grosse différence surtout, c'est que l'ancien, il fallait manifestement un camion pour le transporter. Maintenant, une camionnette suffit. Allez, plus sérieusement, en dehors du moulin avant, hein, je ne sais pas ce qu'on peut y voir, de la fleur ou du soleil que peut représenter le nouveau logo, la différence tient surtout au E de EDF, qui était en majuscule, comme le D et le F jusqu'alors, et qui maintenant est en minuscule. Bon, bah, nous, c'est plutôt la facture EDF qu'on aurait aimé voir en minuscule. Hein. Ils le disent officiellement, ils disent le E minuscule, c'est le E de proximité, celle de l'énergie de la salle de bain et de la cuisine, et c'est aussi le E de la grande énergie, le E de l'électron. Dès qu'on parle d'un E, on a affaire à une spécialiste. Allez. Allez, une autre photo maintenant, celle du Premier ministre Dominique de Villepin qui ce matin, toujours dans Le Parisien, répond à 100 questions des lecteurs du journal. Lui, le Premier ministre qui voulait faire oublier sa malheureuse promesse des 100 jours pour convaincre, maintenant il se met à répondre à 100 questions. Ça va lui coller à la peau ce nombre 100. Pourvu que ce ne soit pas sans résultat, ce ne sera en tout cas pas sans Sarkozy. D'ailleurs, si dans cette interview dans Le Parisien, le Premier ministre se prononce contre le mariage gay, c'est sûrement parce que le mariage forcé avec Sarko, c'est sûr, il n'est pas prêt de l'oublier. Vous l'avez lu, Gérard ? Oui. Je l'ai lu. Alors, est-ce que je vais vous surprendre en vous disant que ça n'est pas forcément un mauvais Premier ministre, mais que je ne suis pas convaincu du tout que ce soit le bon Premier ministre de la période actuelle ? Ah, voilà. Il y en a un qui répond à tout, l'autre qui nettoie. C'est une loge de gardienne, ce gouvernement. Alors justement, les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, sont analysées ce matin dans Libération par un linguiste et professeur de sociolinguistique, M. Jean-Louis Calvé. Alors, son papier est assez intéressant et il nous dit, ce linguiste, que le langage de Sarkozy, c'est plus du Sardou que du Le Pen. Et finalement, c'est assez bien vu si on lit ce papier. Et j'ai tiré moi-même quelques conclusions de son analyse. C'est vrai que Sarko, finalement, on le voit tous les jours dans les journaux. Comme d'habitude, il nous répète tout le temps
J'habite en France, comme Sardou. Avec Chirac, il nous chante plutôt Les vieux mariés, ou parce que c'était lui, parce que c'était moi. Avec Cécilia, c'est plutôt Elle court, elle court. La maladie d'amour. Ou encore une autre chanson qu'a interprété Sardou, Une lettre à ma femme pour tout lui expliquer. Mais nous n'irons pas plus loin sur la vie privée de M. Sarkozy, parce que, comme le chantait Sardou, attention les enfants, danger. Et avec tout ce répertoire de Sardou, eh bien la question c'est, sera-t-il un jour président de la République? Réponse, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Le Parisien nous donne aussi aujourd'hui des nouvelles de Jean-Pierre Raffarin. Regardez, il a retrouvé un job, il est pressenti pour tourner le nouveau King Kong. Mais oui, il va y avoir un nouveau King Kong. Bon, alors évidemment, ça pose problème pour la construction de l'Empire State Building au centre du Poitou-Charentes. Mais Madame Raffarin, elle, serait déjà en train de répéter la chanson générique du film. Regardez, prendre Jessica Lange par la main. Des soucis aussi pour le ministre des Finances, monsieur Thierry Breton, puisque toute la presse nous en parle ce matin. Deux juges d'instruction de l'affaire Rodia ont fait hier perquisitionner, c'est une première, son bureau, le bureau d'un ministre à Bercy en son absence. Vraiment une première juridique. Décidément, ce ministère porte la poisse. Réaction du prédécesseur de monsieur Breton, Hervé Guémard. Il aurait dit, pourvu que Breton reste à Bercy, j'ai plus de quoi le loger à la maison. Alors, est-ce qu'il y a une malédiction sur Bercy? Parce que c'est vrai que de gauche à droite, bref, c'est un poste difficile. Vous ne pensez pas qu'on veut simplement lui faire porter le chapeau rond à Breton? Plus people, maintenant, les photos de Lady Diana et John Fitzgerald Kennedy Jr., dont la presse britannique, suite aux révélations d'une confidente de la princesse dans un livre, nous apprend que ces deux stars auraient eu une liaison d'un soir. Ils seraient allés au lit directement après une interview. C'est beau quand même comme histoire. Remarquez, il valait mieux qu'ils soient transportés par l'amour que par l'avion ou une Mercedes. Hélas, aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne peuvent infirmer ou confirmer cette information. C'est un peu trop facile de marier les morts. Hein. À ce moment-là, on n'a qu'à dire que Lady Diana a couché avec le prince Charles. On n'a pas de preuves non plus. Hein. Ça faisait un bon couple, quand même. Ah ouais. Hein? Bon couple. Ah oui, bon couple, enfin, comme vous dites, ce sont des morts. Alors, il y avait un journal, je crois, People, qui s'appelle Hola, et maintenant, c'est Au-delà, finalement. Joli. Merci bien. On termine avec le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Remarquez, vu comme la plupart des joueurs avaient mouillé celui de l'année dernière, on aurait peut-être pu reprendre intact cette année le même maillot. Ça aurait fait des économies pour acheter des nouveaux joueurs plutôt que des nouveaux maillots. Bref, le PSG nous propose une série de produits dérivés, nous montre le Parisien ce matin. Le briquet PSG, les lunettes PSG, les tétines, les biberons PSG et même la tour Eiffel en pluche PSG. Comme produit dérivé, on a toujours Luis Fernandez aussi, mais lui, c'est dérivé vers le Qatar, alors. Sur la photo, la première photo de la présentation du maillot, évidemment, on voit, comme souvent, quand on passe des marques, on inverse gauche-droite la photo. Fait. Je suis étonné qu'il n'y ait pas encore des marques qui aient décidé de s'appeler Ava ou Oxo. Ah oui. Si on les retourne, ça fait la même chose. C'est vrai. Bon, je dis ça comme ça, en même temps. Vous voulez que je vous dise, j'en parlerai au roi des Belges. La semaine dernière, 5 personnes, dont l'entraîneur Yann-Marie Prozier et Bernard Sens, celui qu'on baptisait Dr Mabuse dans le milieu du cyclisme, ont été mis en examen pour leur implication dans une affaire de dopage, cette fois dopage de chevaux. Dans le milieu hippique, sans jeu de mots, on savait déjà qu'il y avait pas mal de cracks qui tournaient, mais la révélation de cette affaire laisse à penser que l'utilisation d'anabolisants et d'hormones de croissance est une triste réalité sur les champs de course. Pour parler de ce sujet, nous allons accueillir celui qu'on appelle le docteur Mabuse. En 2000, il avait sorti ce livre, Les stupéfiantes révélations du docteur Mabuse, puisque c'est son surnom maintenant, c'était chez Jean-Claude Lattès. Voici donc sur notre plateau l'homéopathe, puisqu'il se dit lui-même homéopathe, toujours accusé mais jamais condamné, Monsieur Bernard Sens. Bonjour, bienvenue.
allez garder le maillot jaune du Tour de France, en tout cas. C'est la nostalgie d'une certaine époque où j'étais dans le Tour de France, bien entendu, en tant que spectateur très averti. Alors, j'ai tenu à faire cette précision, toujours accusé, mais jamais condamné. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas eu de procès pour l'instant. Votre affaire traîne depuis combien? Depuis 99? Là, je parle de la première affaire, l'affaire du cyclisme. Hein. Vous êtes très bien informé, en effet. Cette affaire n'a pas fait l'objet d'actes de procédure depuis l'an 2000. Il est rarissime qu'une affaire de ce type ne soit pas réglée, soit un renvoi devant le tribunal, soit une ordonnance de non-lieu dans le délai d'un mois. Donc on est dans des situations complètement d'exception. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner quelque chose au juge pour les booster un peu ? J'ai l'impression que des propos de cette teneur sont à l'origine, sans aucun doute, pour l'auteur, d'une retentissante panne sexuelle à intervenir sans tarder. Si c'est votre cas, n'hésitez pas, vous m'appelez, vous viendrez en consultation. Je te traduis, il dit grosso modo que t'as à peine à jouir, hein, je te traduis. Pas de chance, effectivement. La justice traîne sur la première affaire. Et alors là, pouf, en arrive une deuxième, non plus dans le cyclisme, mais dans le monde des chevaux, hein, on l'a vu. Alors un entraîneur, vous-même, accusé cette fois de doper des chevaux qui ont gagné des courses trop facilement pour certains. Alors est-ce que, oui ou non, vous avez administré des produits, ça vous devez quand même pouvoir nous répondre, à des chevaux? Je n'ai jamais donné ni administré un quelconque produit, ni à un cheval, ni à un humain. Alors comment vous expliquez à chaque fois que vous êtes mêlé dans ce genre d'affaires ? Bien, la vraie question est celle-ci. Pour quelle raison un praticien homéopathe peut-il déranger autant ? Oui, c'est vrai. C'est tout simplement parce que j'ai un certain nombre de succès et que je peux éventuellement, dans certains cas, guérir des malades condamnés par la médecine officielle. Je vais vous prendre un exemple, Bernard Thévenet. Bernard Thévenet a été confronté à un syndrome extrêmement lourd en 1979. Le syndrome est définitif, il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. En ce qui concerne ses surrénales, ses défenses immunitaires sont tellement atténuées qu'on lui recommande vivement, en cas de fièvre, de rejoindre l'hôpital le plus proche parce qu'une quelconque fièvre peut être fatale. À la suite, bien sûr, de ce diagnostic et de ce pronostic extrêmement sombre, il va s'enfermer dans sa cave en attendant comme un fauve l'agonie. Et il va décider de venir jusqu'à moi en Normandie où j'ai une propriété. Vous êtes panoramique, en quelque sorte. Si vous m'autorisez à continuer, vous reprendrez sans aucun doute la parole ensuite. Je suis moi-même doté, pardon. Oui. Mais vous me paraissez d'un état d'excitation qui me laisse supposer que vous êtes en sur-régime. Si vous voulez tenir à ce rythme-là très longtemps, venez me voir, vous avez mes références en consultation. Alors, ça, c'est vous avez encore du temps, il n'y a pas d'urgence. Je n'ai aucun produit dopant parce que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je ne sais pas ce que ça donnerait si je prenais quoi que ce soit. Je vais vous dire, je ne préfère pas, franchement. Non, mais je vous assure, vous n'avez pas encore les yeux totalement exorbités. Bon, alors ça va. J'en reviens à Bernard Thévenet. Je le garde pendant une semaine. Ce n'est pas une consultation de 10 minutes. Au bout de trois semaines, toutes les analyses hormonales étaient tout à fait normales. Aujourd'hui, il a 2 enfants. Il est consultant à votre chaîne. Et alors, au-delà du docteur Mabuse, lui, quand il me présentait une personne, me disait, voilà, je te présente l'homme qui m'a sauvé. Jésus-Christ. Jésus-Christ, excusez-moi si pour ce... Est-ce que ceux qui sont encore vivants, en tout cas Virenque, Poulidor qui sont vivants, Thévenet, est-ce que ceux-là, aujourd'hui, ils vous parlent encore? Est-ce que toutes ces affaires qui vous collent à la peau font qu'aujourd'hui, ils vous adressent encore la parole, même si vous les avez soignés à l'époque? Ah, mais encore plus. Ils vous soutiennent. Encore plus qu'avant. D'ailleurs, j'ai un comité de soutien extraordinaire. J'ai même des personnes que je n'ai jamais vues en consultation qui veulent soutenir ma cause. Bon. Annie Lemoine, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, à vous écouter, vous détenez un savoir que vous ne partagez pas. Je ne suis pas le seul praticien homéopathe à appliquer... Non, vous n'êtes pas un homéopathe comme les autres. Vous avez... Pardonnez-moi, je ne vous accuse pas du tout. Il y a une mise en examen, la justice fera son travail. Mais vous étiez là au moment où il y a eu des problèmes dans le cyclisme, c'est vrai. Vous êtes de nouveau là au moment où il y a des problèmes dans le hippisme. Si vous étiez recruté par une commission antidopage,
Vous accepteriez de participer, de dire... Complètement. Écoutez, j'ai proposé à Madame Buffet. Et là, je vais le faire sans tarder à Jean-François Lamour, également aux institutions de course de chevaux. S'ils se réunissent, et si leur volonté est vraiment d'éradiquer le dopage... De faire l'amour sur Buffet. Qu'ils fassent appel à ma compétence, je peux leur donner les possibilités de vraiment lutter contre le dopage. Bon, voilà, bon, c'est là qui me paraît être intéressant, c'est finalement le retourner, comme on dit. Gérard! Je n'ai pas la moindre idée, ni la moindre information sur les affaires en cours. Cela étant, il y a quelque chose chez vous qui me met mal à l'aise. Vous me mettez mal à l'aise Il n'y a parce pas de réciprocité, hein, je tiens à vous le dire. Vous me mettez mal à l'aise dans le plaisir que vous avez à jouer avec tout ça. Même le surnom de Dr Mabuse. Dr Mabuse est un personnage qu'on voit apparaître dans les films de Fritz Lang et qui est, si je puis dire, l'incarnation du fascisme ou du nazisme, un homme qui veut dominer les autres, et notamment par l'hypnose ou par d'autres moyens assimilés. Que vous jouiez avec tout ça, que vous ne cessiez pas depuis le début de cette émission de dire à Laurent ou à tel autre, j'aimerais bien vous... Enfin, si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous avez quelque chose, venez me voir. Ah. Que vous soyez dans une position... Ça un s'adresse petit à vous également. Bien entendu. Parce que je pense que vous allez avoir... Je me méfie de tous ceux qui affirment le cœur sur la main pouvoir faire notre bien. Lorsque, comme vous, on donne des substances aux gens, quelle qu'elle soit, je trouve que la moindre des choses, c'est de faire partager son savoir avec les autres. Alors, réponse. Et de ne pas rester un sorcier de l'ombre. Alors écoutez, à chaque fois que je fais l'objet d'une interpellation, j'écris un livre quand l'interpellation a des grands retentissements. J'ai commencé à faire quelques écritures. J'ai déjà le titre du livre. Ce sera « Vivre jeune » jusqu'à 120 ans. Donc je suis convaincu et persuadé que c'est possible. Je suis allé au nord-est du Pakistan où il y a des tribus qui vivent jusqu'à 130-140 ans. Il suffit de reprendre leur mode de vie. On est en train, dans nos pays continentaux, avec notre savoir très élaboré, d'éradiquer l'espèce humaine. Vous êtes une sorte de gourou quand même. Vous êtes en train de nous dire que vous pouvez nous faire vivre, nous, jusqu'à 130 ans ? Vous, je ne sais pas. Subitement, je formule une certaine réserve, subitement. Mais je ne désespère pas de pouvoir y parvenir. Christophe Lévesque. Voilà, moi, j'ai aucune envie de vivre jusqu'à 120 ans, donc vos pilules, vous pouvez vous les mettre où je pense. Moi, je trouve que c'est terrible, tout ce que sur notre temps, là. Si on continue comme ça, c'est un cheval qui va gagner le Tour de France. Alors vous, évidemment, bon, vous n'utilisez que des plantes vertes, hein. Moi, je suce des glaçons. Et en 100 jours, Dominique de Villepin va supprimer le chômage, hein. Donc il suffit d'y croire, tout va bien. Jésus-Christ a bien marché sur l'eau, hein, à l'insu de son plein gré. Et il n'a jamais été contrôlé positif. Alors, beaucoup de coureurs, quand même, avec lesquels vous avez travaillé, enfin, en tant qu'homéopathe, évidemment, plantes vertes, tout ça... se sont fait piquer par la police, ce qui est quand même un comble, hein, pour un drogué, se faire piquer par la police. Non, c'est trop tard. Voilà, et vous êtes toujours arrivé à passer à travers. Depuis que je vous entends parler, depuis le début de l'émission, là, je me demande s'il y a un livre que vous n'avez pas lu, L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer. Parce que moi, je l'ai lu, et franchement, il y a des méthodes que vous reprenez pratiquement texto. L'avez-vous lu ou pas ? Non, mais je vais me précipiter pour le faire. Et, vous n'en avez pas besoin, oula. Donnez-lui des bons conseils, vous, alors. En tant que praticien homéopathe, soit on a des résultats totalement insignifiants, soit on a des résultats qui encouragent les autres personnes à vous consulter. Vous êtes un cas intéressant, vous aussi, quand même. Ça, c'est dans Schopenhauer, c'est une des 36 méthodes. Je vais vous demander de rejoindre Elsa Fayère, puisque nous allons recevoir sur ce plateau quelqu'un qui va témoigner, puisque vous attendez un procès avec impatience, manifestement, docteur Sens. C'est d'origine espagnole, donc je dois prononcer Sens. Voici une propriétaire de chevaux de course qui va apporter son témoignage. Elle s'appelle Anne-Sophie de la Coquillette. J'étais temps que vous arriviez. Oh mon Dieu. Oh là là, qu'entends-je? Permettez-moi de m'offusquer. Oui. Oh, permettez-moi de m'outrer. Alors là, moi, je vous dis halte là. Halte au dopage. Déjà que les chevaux sont fragiles, n'allez pas me les esquinter plus. Vous possédez des chevaux de course? Esquinter plus. Ah oui, esquinter plus. Oh, vous avez chaud. Ah, il fait chaud, Laurent. Non, non.
Vous possédez des chevaux de course? Oui, des chevaux de course, bien sûr, moult, énormément. Ah oui, j'ai des chevaux de course, des chevaux qui m'accompagnent pour faire mon shopping. Ah non, je rigole, imbécile, fifrelin. Non, 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 des vrais chevaux de course, j'ai même un hara, figurez-vous. Mm-hmm. Oui, un hara qui appartenait à mon aïeul, Henri Lexine du risotto. J'adore ça. Ah, j'adore le hara, je me sens bien, je me sens comme une princesse au milieu de toutes mes montures. Là, je suis un petit peu comme une starlette au hara. En plus, je me fais aider, bien sûr, je ne suis pas seule. Je me fais aider par Charles Apollon, qui est pas le premier. Pas le premier, bien sûr. Enfin, pas le premier, puis il n'est pas le dernier non plus, puisque c'est mon aîné, bien sûr. Voilà. Est-ce que votre hara a été perquisitionné dans le cadre de l'affaire dans laquelle M. Sens a lui-même été mis en examen? Hélas, oui. Oui. Il l'a été. Des inspecteurs sont venus faire des tests antidopage sur mes chevaux, j'étais vexée. Eux, ils ont fait des prélèvements urinaires dans des fioles. Enfin, quand je dis des fioles, faut voir la taille des engins, j'imaginais. Hey, quand je dis engins, je parle des fioles. Oui, bien sûr. Et pas des chibres, sinon c'est vulgaire, bien sûr. Alors, non, non, alors ils ont fait des prélèvements, ça a duré des heures. Il m'énervait, cet inspecteur, j'étais excédée. Ah, oui. Au bout d'un moment, même, il voulait que je l'aide, le bougre. Il voulait me donner sa fiole, ou je sais pas quoi, je dis, tu sais où tu peux te la mettre, ta fiole? Alors, il m'a collé un outrage à agent. Non. Et oui, il a cru que je lui disais ta fiole, alors que moi, je lui disais simplement ta fiole. C'est ballot, hein. Vous êtes donc contre le dopage, ça on l'a compris. Ah oui, contre. Ah non, alors moi, non, je ne veux pas. Alors je trouve ça catastrophique pour le monde hippique et puis pour le monde du turf en général. Bien sûr. Oh non, c'est affreux. Moi, vous savez, je crois que dans une course, l'important, c'est de participer. Oui. Voyez-moi, par exemple, dans mon écurie, j'ai un cheval qui est très lent. C'est une feignasse. Oh là là, il est long la plupart du temps, il n'arrive même pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Il s'appelle Hull. Hull. Magic Hull. Et alors, bien souvent, je vous avoue qu'en fin de course, je fais le compte et je m'aperçois qu'il m'encule à l'arrivée. Allez, tiens, voilà. Ça n'est pas grave, vous comprenez? Ça n'est pas important, tant pis. Et puis si par mégarde, si par d'aventure, comme ça, des parieurs avaient envie de miser sur lui, je les avise, bien sûr, bien je sûr. Suis honnête. Je leur dis non, 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 ne faites pas ça, ce n'est pas une bonne idée. Vous allez l'avoir dans le dos, vous seriez saut de miser. Alors vraiment, là, il ne faut pas... J'ai mal dit. Est-ce que comme le docteur Sens... On a compris quand même. Est-ce que comme le docteur Sens, vous avez des recettes naturelles pour améliorer les résultats des chevaux? Oui, tout à fait, l'amour et le dialogue. Hein? Ah oui, je murmure à l'oreille de mes chevaux, comme Paul Newman. Vous connaissez Paul Newman? Vous lui ressemblez un petit peu. Mais je suis pareil. Je sais que c'était pas lui, Fifrelin. Ah bon. Bref, alors je chuchote aux oreilles de mes chevaux pour les encourager. Je leur dis, mes petits amours, oui. Si vous n'arrivez pas dans le tiercé de tête, ça n'est pas grave. Je ferai un gigantesque méchoui avec vos carcasses de poney mal dégrossies. Voilà ce que je leur dis. Et là, une claque sur les fesses et c'est parti. Oh, allons. Et qu'est-ce que vous pensez des soupçons alors qui pèsent sur notre invité, le docteur Sens? Bon, écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne veux pas me prononcer, mais je pense que ce monsieur a l'air tout à fait seringue. Hein, seringue, seringue. Seringue, bien sûr, évidemment. Bien sûr, je crois qu'il est juste la tête de turf de toute cette histoire, si je peux me permettre. Allez hop, moi je filme acheter des chevaux, j'ai vu qu'il y a une promotion en ce moment. Deux montures pour le prix d'une. Ah, un petit deal. Allez, on y va. Merci, Laurent. Au revoir. Au revoir, Anne-Sophie. Bon, bonne vacances. Docteur Sens, vous êtes un cas intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les fans de Marc Lévy vont être enfin satisfaits. Ça y est, l'écrivain a sorti la suite de « Et si c'était vrai ?» Souvenez-vous, son roman vendu à des millions d'exemplaires et qui sera d'ailleurs prochainement adapté au cinéma par un petit producteur de rien du tout, hein, nommé Steven Spielberg. La suite de cette histoire d'amour entre Lorraine et Arthur, les deux personnages principaux du livre, s'appelle « Vous revoir ». Ça vient de paraître dans toutes les librairies. Les Français se l'arrachent. C'est la suite du livre le plus lu chez nous. Rappelons-le, voici Marc Lévy. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous revoir pour reprendre le titre de ce roman. Est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir lu votre premier, si c'était vrai, pour lire Vous revoir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. On peut reprendre l'histoire à zéro? On peut les lire dans les deux sens. Même? Oui. Enfin, j'ai essayé de le faire comme ça, qu'on puisse commencer par Vous revoir et finir par Et si c'était vrai, ou si on en a marre, en lire qu'un des deux. Vous avez eu plusieurs vies dans votre vie. Moi, j'ai relu votre bio là aujourd'hui, j'ai trouvé ça incroyable, votre parcours, hein, tous les métiers que vous avez pu faire, aussi différents les uns que les autres. Là, vous avez évidemment votre vie consacrée entièrement, en dehors de votre vie privée évidemment, à l'écriture. Et vous n'êtes plus architecte, vous avez tout abandonné pour l'écriture aujourd'hui. Oui.
Mais ça, je l'ai fait dès, en fait, juste au moment de la sortie des 6, c'était vrai. Ouais. Bah, c'est quand même normal, vous l'aviez suffisamment vendu. Non, c'était pas encore un succès. En fait. Vous saviez pas que c'était encore un succès, que vous aviez tout abandonné. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais écrit ce roman à l'homme que va devenir mon fils, et que la seule chose que je, sans avoir aucune idée d'ailleurs qu'il serait publié, et que la chose que je voulais lui dire dans ce roman, c'était d'aller au bout de ses rêves et de tenter sa chance. Et je me suis dit que si je prenais pas le risque d'écrire le deuxième, le premier aurait été un mensonge. Et donc pour mon fils, j'ai tout arrêté et on est parti en Angleterre et je me suis mis à écrire le deuxième. Vous revoir, déjà un énorme succès en librairie. Est-ce que la critique vous a une fois de plus égratigné? Parce que vous faites partie de ces écrivains comme Verber, par exemple, avec ses fourmis et autres livres, qui à chaque fois fait un carton en librairie, mais que, on va dire, l'intelligentsia boude un peu. Oui. Et alors, est-ce qu'on a envie quand même de convaincre les critiques un jour? Ah non, non. Non? Moi, non. Moi, j'ai pas de polémique avec la critique. Je sais que je suis devenu la bête noire de certains d'entre eux. Mais ça me fait plutôt. Aujourd'hui, quand je vois les commentaires de Bec BD, ça me fait plutôt marrer. Annie Lemoine. Alors, j'avais adoré le premier. Scénario fabuleux et on tournait les pages comme ça. Vraiment, c'était très réussi, évidemment. Et c'est pas par hasard qu'il y a un succès populaire. Mais pour le deuxième, il y avait deux obstacles, à mon sens. D'abord, d'avoir tellement aimé le premier, j'avais peur d'être déçue. Et puis, quand j'ai tourné les pages, je me suis dit, mais c'est urgence! Ça se passe dans un hôpital, et il y a des... Je vous assure, quand la scène où on recoue son pied à l'héroïne, et moi j'hurlais, je hurlais, c'est insupportable. Quand on a du mal avec urgence, on a aussi du mal avec ce livre, parce que c'est beaucoup le coma, les machins, là-bas. Voilà. En fait, c'est touchant, on n'arrive pas à vous dire des choses un peu sévères. Je vais me forcer à lui dire. Parce qu'effectivement, l'océan lèche le sable. Parce qu'effectivement, le vent du soir fait frissonner. Parce que certains moments ont un goût d'éternité dans votre livre. Il y a tout ça. C'est comme un gâteau au chocolat trop sucré. Mais on avance. On avance parce qu'on a envie qu'ils s'aiment terriblement, autant que vous. Et on se demande à quelle page ils vont s'aimer, parce qu'ils se croisent, mais ils ne s'aiment pas. Et enfin, ils s'aiment. Alors on a envie de savoir comment ils vont s'aimer. Et ils s'aiment terriblement bien. Alors je pleure, moi aussi. J'appelle une amie, t'as lu le dernier Marc Lévy, et je me fais consoler. Je marche. Je voudrais savoir, Marc Lévy, est-ce que vous écrivez pour que la vie soit comme vous voudriez qu'elle soit réellement et comme elle n'est pas? Est-ce que vous arrivez à aimer comme dans vos livres? Est-ce que vous êtes heureux? Oui. Oui, vraiment. Non, mais vous savez, moi j'ai été très marqué toute mon enfance par la phrase de Kennedy, que j'écorche à chaque fois que j'essaye de la citer, où il disait, il y a ceux qui regardent le monde tel qu'il n'est pas, je crois. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, non. Voilà, plus. J'ai rien pour aujourd'hui. Non, mais je... Il avait commencé une autre phrase en disant, c'est quoi ce coup de feu? Et voilà, après, il n'a jamais terminé. Merci. Non, mais j'ai aimé dans le cinéma qui a marqué mon adolescence et ma vie de jeune homme. J'ai aimé dans les livres qui ont marqué mon adolescence et ma vie de jeune homme, rencontrer des personnages qui donnent envie. Envie d'eux. Alors, envie d'aimer, envie de se battre, envie de se dépasser, envie de... Et c'est vrai que, très vite, je n'ai plus envie de me retrouver dans des livres ou dans des films où les protagonistes m'expliquent que leurs valeurs sont la trahison, la méchanceté, la lâcheté, le désespoir, la haine. J'ai toujours trouvé que le cynisme demandait moins d'intelligence qu'une certaine simplicité. Gueluc. Alors moi, je trouve que c'est évidemment le succès de l'été. Moi, je l'ai dévoré, j'avais aussi adoré le premier. Je pense que faire quelque chose qui donne l'apparence de la facilité, de la simplicité, effectivement pas si facile que ça. Ça fait partie de ces livres dont on s'en veut de les lire trop vite. On voudrait freiner le temps. On se dit, j'arrête maintenant parce que sinon je vais le terminer aujourd'hui et je voudrais m'en garder pour quelques jours. Merci beaucoup. Je voulais savoir si réellement ce presque déferlement de haine qui vous est tombé dessus à certains moments, vous a blessé? Non, ça ne m'a pas blessé parce que je, dans ce déferlement, je trouvais que la critique donnait beaucoup plus d'importance à mes bouquins que je n'arriverais jamais à en donner moi-même. Il y a eu des moments où je me suis demandé pourquoi une simple comédie romantique pouvait entraîner autant de colère. J'ai eu souvent envie de dire aux gens, mais vous savez, c'est qu'un livre, c'est pas grave. Moi, au cinquième livre, on me demande très souvent « Est-ce que vous êtes un écrivain ?» Et je réponds maintenant une chose qui me fait marrer, parce que je la trouvais, je dis « Mais est-ce que vous demanderiez à un réalisateur qui a fait 5 films s'il fait du cinéma ?» Donc... Alors, on le demande à Lelouch, par exemple, encore parfois. Gérard Miller. Je suis un de vos premiers lecteurs, parce que j'ai lu en 98 le guide du mobilier de bureau que vous aviez, n'est-ce pas, c'est exact, c'est pas une blague, que vous avez publié chez Les Échos L'Ami.
Moi, je vais vous dire... Non, mais vous êtes sérieux, là, vous déconnez. Absolument. Non, mais ça, je sais que vous avez écrit ça, mais il l'a lu dans la doc. Il l'a lu en 81 livres. Arrêtez, en 98, j'avais besoin d'aménager un... Alors, d'accord. Alors, raconte-nous un chapitre. Posez-lui une colle sur le livre, là, Marc Lévy, qu'on rigole deux minutes. Le moment, Gérard, je peux très bien te poser une question. C'était le guide du mobilier de bureau. Alors, Gérard, le moment. Très bien. Il y avait des photos ou pas? Il y avait absolument des photos. Est-ce qu'il y avait des photos? Il y avait... Absolument. Non. L'escroc est enfin démasqué. Il y avait des photos. Il y avait des schémas. Il y avait des photos, des schémas. On voyait comment on pouvait... Absolument. Attendez, posez-lui une autre colle parce que là... il y avait des photos de schémas. On demande à un écrivain qui a écrit 5 livres si c'est un écrivain. Est-ce qu'on demande à un type qui a dit 3000 conneries si c'est un con? Elsa Fayer. J'avais presque pas envie de lire le deuxième. Parce que vous êtes quelqu'un qui fait travailler notre imagination. Et cette fin un petit peu en suspens, comme ça, j'avais envie d'imaginer la suite toute seule. Alors, j'y suis allée parce que quand même la curiosité pousse à ouvrir le livre et à parcourir les pages. Mais je vais vous dire très simplement, je n'avais pas envie de savoir ce qui allait leur arriver. Je n'avais pas envie de savoir où irait leur amour. J'avais pas envie finalement de me dire que l'amour, c'est finalement une question d'inconscience. J'avais envie de me dire que c'était... possible, mais d'une autre manière. Et vous avez brisé mes rêves. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, l'amour, c'est réellement une question d'inconscience? C'est une question d'imagination et de culot. Je pense. Mais en même temps, il y a un certain nombre de choses que je pense, et c'est pas parce que je les pense qu'elles sont vraies. Et je les distille dans la bouche de mes personnages, mais je détesterais l'idée de devenir un moralisateur ou quelqu'un qui dirait « les choses sont comme ça ». Je vois Isabelle Motreau faire la moue. Alors, pourquoi Isabelle? Oui, moi, je ne vais pas du tout être au diapason de mes petits camarades. Et je suis contente de savoir que vous trouviez que ce n'est pas très grave qu'on vous critique. Parce que moi, je suis désolée, mais je n'aime pas du tout ce livre. Voilà. Alors, voilà, ce n'est pas grave. C'est un livre. Ce n'est pas mon genre de roman, effectivement. Et ça ne va pas plus loin que ça. En même temps, c'est vrai que vous avez été éreinté par la critique et que voilà, vous attribuez ça juste au fait que parce que vous vendez beaucoup, alors les critiques ne vous aiment pas. Ah non, pas du tout. J'espère, parce que peut-être aussi qu'ils sont sincères et qu'ils pensent sincèrement que voilà, c'est pas forcément le meilleur roman à lire en ce moment. Moi, c'est mon cas. Christophe Lévesque. Ce livre, moi, j'ai lu, ne peut pas faire de mal. Hein. Les héros sont positifs, les sentiments sont bons, le bien triomphe, l'amour l'emporte. C'est écrit gros et c'est pas trop long. C'est pas franchement ma tasse de thé. Mais je me posais une question en lisant que ça. L'homme est-il foncièrement bon en dehors des livres? Et la plupart du temps, non. La plupart du temps, l'homme est plutôt pervers, fourbe, menteur, faux cul, avec un polo violet. La chute est drôle. Par contre, moi j'ai adoré, enfin dans le premier que j'avais lu, j'ai adoré cette histoire de femme dans le coma qui se détache d'elle-même et que l'homme retrouve dans son placard. Ça, là, vraiment, j'ai... C'est le placard qui t'a plu. Non, c'est bien parce que ça m'est arrivé une fois. Oh. Ça m'est... Ah oui, je sais, vous n'allez pas me croire. Non. Ça m'est arrivé une fois, je rentre chez moi, seul, comme ça, j'ouvre la porte et là, je me dis... Je vais passer l'aspirateur. T'avais bu? Oui, j'avais bu. Et là, j'ouvre le placard, qu'est-ce que je vois? Par terre, prostré comme ça, Françoise Malégeris. La honte sur le visage, puisqu'il n'avait toujours pas donné de réponse pour le roman du jeune auteur que je lui ai confié. Nous sommes fin juin, Françoise, je suis très déçu. Et je voulais vous poser une question en parlant d'éditeur. Est-ce que vous pensez qu'au départ, puisque vous n'êtes pas né avec une plume à la main, vous n'êtes pas un romancier, c'était, vous avez fait ça sur le tard, vous avez quand même été publié sans difficulté, ça a marché tout de suite. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chance ou plus de talent? Ou plus de talent ou plus de chance? Plus de chance. Plus de chance. Et je partage tout à fait votre avis. Je suis absolument convaincu qu'en l'an 2000, et si c'était vrai, était le roman le plus vendu de l'année, et c'était pas nécessairement le meilleur roman de l'année. Ça s'appelle donc Vous revoir, c'est la suite de Et si c'était vrai, c'est toujours donc chez Robert Laffont, votre premier éditeur. Puisque vous aimez le cinéma, restez avec nous encore quelques minutes, même si c'est une critique qui va en parler, puisqu'Isabelle Motreau va nous annoncer quelques films qui sortent demain, mercredi. Isabelle Motreau.
D'abord, cette première affiche vous intéresse-t-elle? Ça s'appelle L'amour aux trousses. Réaction d'Annie Lemoine. Ah oui, non, ça me donne envie. Trois personnages, il y en a forcément un de trop, vous voyez. Christophe Alévèque. Évidemment. Vous pensez qu'on allait m'oublier, le porteur d'affiche? J'aime bien cette affiche, ça me rappelle Cécilia Sarkozy, Nicolas Sarkozy, et lui, c'est qui? Alors, Isabelle Notron, qu'est-ce que ça vaut? Alors, ça vaut quand même d'aller le voir, ce film, parce que c'est une bonne comédie d'été. Pascal Elbé et Jean Dujardin sont flics, tous les deux. Et Katharina Murino, qui est la femme de Pascal Elbé dans le film, est tombée amoureuse de l'autre. Ça, voilà. On s'en doutait un truc. On s'en doutait. Et alors, il va falloir gérer cette affaire-là, et c'est compliqué parce qu'en même temps, tous les trois sont en même temps en train de régler une autre affaire. Alors là, une vraie... thriller, quoi. C'est une comédie et un thriller en même temps, et c'est rare que ce soit réussi, et là, ça fonctionne. C'est pas le film de l'année, là non plus, mais c'est une bonne comédie. On passe au film suivant, Whisky Roméo Zoulou. C'est un film dont on a moins parlé. Réaction sur l'affiche Elsa Fayer. Moi, cette affiche me donne chaud. Il fait trop chaud en ce moment. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas y aller. Gérard. Ça, c'est les affiches énigmatiques. Il faut vraiment que quelqu'un m'en parle pour que j'ai envie d'y aller. Isabelle Motreau, alors. Alors, c'est effectivement un film de fiction, mais qui raconte un événement tout à fait vrai, hélas. Le 31 août 1999, un Boeing 737 était écrasé en Argentine et a fait 67 morts. Et c'était dans une compagnie indépendante. À l'intérieur de cette compagnie, il y avait un homme qui s'appelait Enrique Pinheiro, qui était pilote et qui avait démissionné parce que justement, inlassablement, il disait un accident va se produire, un accident va se produire. On court après le fric, on laisse de côté les questions de sécurité, c'est trop dangereux. Et effectivement, l'accident s'est produit. Lui, il avait démissionné juste avant. Et c'est lui, aujourd'hui, Pinheiro, qui fait ce film. Un film donc à ne pas aller voir avant de prendre l'avion en vacances. Non, pas avant de prendre l'avion, mais à aller voir quand même. C'est vraiment... Attention, le film dont on va parler maintenant ne sort pas demain, mercredi, mais un peu plus tard pendant l'été. Vous avez choisi de nous parler de La Moustache. Qui sort quand, alors? Alors, qui sort le 6. Tous les matins. La Moustache sort tous les matins, oui. Vincent Lindon et Emmanuel DeVos dans La Moustache, un film d'Emmanuel Carrère. Ah, Gérard Miller. J'adore cette affiche. Je trouve que c'est une plus belle que j'ai vue ces derniers temps, notamment sur la minceur du phénomène moustache coupée. Pourquoi? Très joli. Une autre moustache à l'évêque? Pareil, moi, la minceur de la moustache, ce mystère-là, franchement. Cache-toi! Il est ridicule! Avec son polo violet! Marc Lévy. Moi, tout film où il y a Vincent Lindon me donne envie d'y aller. Je trouve que c'est un des plus grands comédiens français aujourd'hui. Alors attention, ça sort seulement la semaine prochaine. Oui. Isabelle Motreau, qu'est-ce que ça vaut? Alors c'est le film d'Emmanuel Carrère qui adapte son propre roman, La Moustache, et c'est un film tout à fait étrange, parce que l'histoire elle-même est étrange. Cet homme, Vincent Lindon, décide par jeu de couper sa moustache. Sa femme, Emmanuelle DeVos, fémine, en tout cas, ne dit rien, fémine de ne pas s'en apercevoir. Il se dit c'est un jeu, ils vont ensemble dîner chez des amis qui ne remarquent rien. Alors là, il casse le jeu en disant « Non mais attendez, vous n'avez pas remarqué que j'ai plus de moustache ?» Et là, tout le monde lui dit « Mais tu n'as jamais eu de moustache ?» Et ça commence comme ça, c'est effrayant parce qu'on se dit « Mais est-ce qu'ils font semblant ? Est-ce que c'est un jeu ?» Lui le prend très mal et alors ça va aller comme ça de mal en pis parce que avec ce petit détail fait que la vie de ce garçon va totalement basculer. Et c'est passionnant de les voir tous les deux en plus. Emmanuel DeVos et Vincent Lindon font un couple étonnant. C'est vraiment un film étrange à découvrir. Votre coup de cœur ? Oui, oui, c'est mon coup de cœur. S'il fallait en choisir un des trois, Marc Lévy, Whisky, Roméo Zoulou, L'amour aux trousses ou... La moustache. Il a déjà pris La Moustache. Vous avez peut-être déjà pris dans les meilleures librairies. Vous, revoir la suite de Et si c'était vrai. C'est la raison pour laquelle Marc Lévy est venu nous voir ou nous revoir aujourd'hui. Marc Lévy, merci. Merci. C'est chez Robert Laffont. Merci à vous. C'est l'une des toutes meilleures comédiennes françaises que nous allons recevoir maintenant. Une des plus discrètes aussi. À 34 ans, elle a déjà remporté 2 Molières et 1 César pour son rôle dans Se souvenir de belles choses. Mais vous avez aussi pu la voir dans Le Hussard sur le toit. C'était à ses débuts, on va dire, mercredi, Folle journée, Les sentiments. Et récemment, Oli Lola, le film de Bertrand
Tavernier. Vous appréciez, je l'espère aussi, Isabelle Carré. Et le 20 juillet prochain, Isabelle Carré sera à l'affiche de L'Avion, un film pour enfants et pour adultes réalisé par Cédric Kahn avec Roméo Bozzaris et Vincent Lindon dans les principaux rôles. Nous allons donc avoir la joie, c'est une de mes comédiennes préférées, de recevoir sur ce plateau Isabelle Carré. Bonjour. C'est un vrai plaisir d'abord parce que vous êtes rare à la télévision, rare dans les radios, moins rare sur les planches et au cinéma, mais c'est ce qui fait votre discrétion et c'est ce qui fait votre particularité aussi. C'est vrai, vous trouvez? Ah oui, je trouve. Ben, en tout cas, je suis contente d'être là aussi parce que c'est vrai que parler de L'Avion, ben, c'est rare. Si on parle de rareté, un film pour enfants en France, c'est vrai que ça manque, je trouve. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais petite de films comme Peter Elliot le Dragon ou encore mieux Mary Poppins qui m'a accompagnée. Pas mal de films. Moi, j'ai amené mes enfants quand ils étaient petits voir Massacre à la tronçonneuse. J'ai amené voir La Grande Bouffe. Le silence des agneaux. Non, il y a quand même des films pour enfants. Regardons tout de suite la bande-annonce. Charlie, il s'est passé quelque chose de très grave. Il va falloir que tu sois très courageux. C'est vrai qu'il est mort, ton père ? Fais-moi un signe. Xavier Montaigu, je suis un collègue de votre mari. Pierre travaille depuis quelques années sur un programme de pointe. Mais nous ne parvenons pas à mettre la main sur certains documents. Pierre parlait presque jamais son travail. T'es vivant, je le savais. Vole. Vas-y, vole. Ah ! Et tu te rends compte que t'aurais pu te tuer ? Je veux pas te laisser cet avion. Ah ! Faut que je l'emmène au labo. J'ai jamais rien vu d'aussi solide. Charlie ! Cours, vite ! Il y a les militaires partout ! Vas-y, vole ! Vole ! Mais si mon avion marche plus, je pourrais jamais retrouver papa. Je pourrais pas lui dire ce que je veux lui dire. Tu peux lui parler ? Il te répondra peut-être pas, mais sûrement il t'entendra. Le 20 juillet prochain, n'oubliez pas, Annie Lemoine, vous avez vu L'Avion, est-ce que vous êtes restée une enfant ? Alors, ça n'a pas détrôné dans mon cœur le grand film pour enfants, c'est E.T. qui m'a fait pleurer, le plus grand film d'amour, E.T. Mais je voudrais vous dire que vous êtes pour moi la Michèle Bouquet au féminin. J'ai gardé un souvenir ébloui de vous dans la pièce de Topor, Un hiver sous la table. Vous êtes, oui, d'une rareté, d'une subtilité. Alors, quand une caméra vient vous chercher, comme c'est le cas dans ce film, au plus près, et on voit toutes les nuances, toutes ces finesses qui s'expriment, c'est du grand bonheur. Et j'irai plus loin que vous et mieux que vous, ça va nous permettre en même temps de lui rendre un hommage. Pour moi, c'est la nouvelle Suzanne Flon, Isabelle Carré. Non, mais vraiment, je l'ai dit à la radio déjà, on n'a pas assez rendu hommage, d'ailleurs, dans le service public, à Suzanne Flon, qui est une des plus grandes comédiennes de théâtre disparues. Je trouve qu'on l'a trop rapidement évoquée. Sa mémoire, des films auraient dû être passés, des pièces de théâtre auraient dû passer avec Suzanne Flon. Et vraiment, je trouve que vous avez la même discrétion, le même jeu, le même professionnalisme, la même joie de vivre. Je sais pas quand vous êtes je sur scène. Je peux vous dire que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ah mais vraiment, je trouve que vous êtes l'héritière parfaite de Suzanne Flon. Gérard Miller. Je vais vous faire une petite confidence personnelle. C'est que je vous suis depuis que je sais que vous êtes né le 28 mai. Parce qu'il se trouve que j'ai 4 enfants et que 3 de mes enfants, c'est une bizarrerie familiale, sont nés le 28 mai. Non, donc, c'est pas une bizarrerie familiale, c'est que vous baisez une femme. Ils baisent le 28 août. Allez, j'ai lu pour préparer cette émission le dossier qu'on nous remet, toute une série d'interviews. Et j'ai été sensible alors à une sorte d'homogénéité dans votre ton. Je vais vous le traduire, vous me direz si ça vous semble exact. Il y a un côté dans vos interviews, petite fille, sage et gentille, qui ne se dément jamais. Est-ce que ça correspond vraiment à votre nature que, d'une certaine façon, rien ne dépasse dans ce que vous dites de vous ? Ou est-ce que vous faites attention, oui ? Ouais. Ben oui, j'ai pas du tout envie de me répandre sur ma vie, quoi, non, c'est pas... Voilà, moi, j'ai envie de vivre, de montrer mon métier, voilà, de parler de mon travail. Ma vie, elle me regarde. Je vous ai vu, si je ne me trompe pas, 17 ans, au théâtre du Rond-Point, jouer une pièce sur Casanova. Alors là, vous êtes très très fort, parce que j'arrivais à la fin de la pièce et je disais 4 mots en allemand. Absolument. Donc, bravo. Mais c'était bien, c'était au théâtre du Rond-Point. Ouais, tout à j'adore. Fait. J'adore. C'était au mois d'août. Elsa Fayère.
Moi, j'ai été assez surprise dans votre bio. Vous avez une faculté que peu de personnes ont, c'est que vous avez une ouïe extrêmement développée. Et vous expliquez, lorsque vous êtes au théâtre sur scène, vous entendez les moindres faits et gestes des personnes qui sont dans la salle, même au 8e ou 10e rang. Est-ce ça, que je crois que je suis pas la seule. C'est vrai, quand on est sur scène, le moindre papier de bonbon, la chaise qui claque. Le sonotone qui se met à siffler. Tout à fait, ça c'est plutôt le dimanche en matinée. on entend tout, c'est vrai. Je vais le tester, je vais me mettre dans le public et je vais parler. Attendez, ça on va voir. Allez-y, vous occupez pas de moi, hein. Christophe à l'évêque. Isabelle, vous êtes formidable. Oui, vous êtes formi. Formidable, you are the one. Formidable. Oui, bah, c'est ma dernière émission de la saison, il fallait quand même que je le fasse. Ça, c'est fait. Et je le prends vraiment. Enfin, formidable, sauf un truc qui pour moi serait rédhibitoire. Mon chien ? Non. Mon film préféré, c'est Mary Poppins. C'est vrai. Expliquez-moi ce truc. Non. Mon vrai film préféré, c'est La vie est belle de Capra. Mais disons, le premier film qui m'est marqué. Ah, alors là, on aurait pu. Voilà, vous savez le moment où elle rentre dans Isabelle, le dessin dessiné à la craie. Parle, là, tu m'entends, par exemple. Oui. Ça me fait penser à La rose pourpre du Caire, et moi, c'est voilà, ce sont des choses qui me font rêver. N'entends pas, c'est pas rentrer dans un autre monde, en couleur. Tout bien. Elle n'entend rien du tout. Je lui ai dit plein de choses. Elle n'entend rien. Allez, Isabelle Carré. Merci en tout cas d'être là. Continuez à être rare, car ce qui est rare est bon, et revenez quand même nous voir de temps en temps à l'occasion d'une sortie théâtrale ou cinéma. Merci Isabelle Carré, restez quelques minutes encore avec nous pour le... Quoi ? Ce qui est rare est bon, comme disait Gérard Miller un 28 août. C'est l'heure du kick à déconner. Alors là, François Hollande a... Attention, François Hollande est 9e dans le classement avec 445 points, donc vous pouvez vraiment le faire progresser dans notre top 10. Vous savez que le Premier ministre, M. de Villepin, avait décidé d'inviter tous les présidents de parti à venir parler ensemble de l'après-référendum de la victoire du non. Et il avait effectivement décidé d'inviter les représentants du Front National, alors que la règle, depuis une dizaine d'années, c'était qu'effectivement le Front National était plutôt boycotté par Matignon. Le FN étant invité, François Hollande a dit « Puisque c'est ça, nous les socialistes, nous ne venons pas, ils ne sont pas venus. Est-ce que Hollande a bien fait? Est-ce qu'il aurait mieux fait comme Marie-Georges Buffet d'y aller et de protester sur place ?» À vous de répondre, Elsa Fayet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que c'était une considération pas utile et j'ai du mal à digérer ce que vient de faire. Gérard ? Non, c'est pas aujourd'hui que vous me verrez critiquer Hollande sur une question touchant au Front National. Zéro point. Isabelle Motreau ? Oui, même chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, je crois. Christophe à l'évêque. Pas du tout d'accord, 30 points. C'est une excuse bidon. Mais c'est quand même très drôle d'avoir été d'accord et béni oui-ouiste avec un mec pendant 3 mois et de ne pas vouloir l'écouter maintenant. Annie Lemoine. Non, 30 points, il faut s'habituer à l'idée qu'il y a des gens qui votent Front National en France et continuer à leur parler pour les faire changer d'avis. Philippe Gueluc. Non, je suis d'accord avec Annie. Alors qu'ils disent aussi qu'il ne va pas sur un plateau de télévision où le Front National est représenté et invité, et puis on en reparlera, mais c'est hélas le principe de la démocratie. Je 20 points, hélas. Isabelle Carré. Non, moi j'aurais fait pareil, j'y serais pas allée. Total, 80 points. Dans un autre genre, c'est Johnny Hallyday qui était convoqué chez les juges aujourd'hui. Il a décidé de ne pas se présenter parce qu'il en a marre de cette histoire de viol présumé sur un yacht il y a déjà quelques années. L'affaire, c'est vrai, traîne en justice. A-t-il eu raison? Johnny fait faux bon. J'ai fait exprès. Johnny fait faux bon au juge. 0, 10, 20 ou 30 points. 20 points, moi je trouve ça absolument inadmissible. Il a digéré le crépitement des photographes quand il a fait le baptême de sa fille. Là, ça ne l'a pas dérangé. Maintenant, il doit répondre à des chefs d'accusation. S'il a quelque chose à dire, il faut qu'il y aille. Gérard. Il a 100% raison. C'est-à-dire qu'il ne refuse pas du tout de répondre à la justice, mais il se pose la question de savoir pourquoi une convocation chez le juge est déjà médiatisée à l'avance. Il a tout à fait raison. Isabelle Motreau. Moi, j'aime bien quand Johnny pense des trucs, alors je l'encourage. Christophe. Oui, zéro. Pour une fois qu'il est discret, on ne va pas lui jeter la pierre. Annie ? Oui, c'est pas Michael Jackson, c'est vrai, donnons-lui un autre rendez-vous discrètement. Gueluc. 0 point pour Johnny, mais c'est peut-être au juge qu'il faudrait en donner 30 parce qu'il. Je sais pas si vous avez lu ça, mais ils voulaient le recevoir en pantalon depuis qu'ils ont lu qu'il sautait sur tout ce qui avait une robe. Isabelle Carré.
C'est plus par rapport, là on parle de discrétion, la couverture de Paris Match avec la petite, moi je trouve ça, là au niveau de la discrétion, ça se pose là. On a beaucoup parlé, ouais. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup sur ce baptême. Ouais. Vous qui effectivement avez été il y a tout récemment à l'affiche de ce film dont j'ai parlé tout à l'heure, Oli Lola, le film de Tavernier qui vient de sortir en DVD. C'est sûr que là, du côté de la discrétion, je ne suis pas sûr que tous les parents... Passer devant tout le monde et faire la couverture après, c'est, il y en a qui sont restés un peu... Vous voulez adopter depuis le film Oli Lola, c'est ce que vous avez déclaré ? En fait, j'y pensais avant, j'y ai beaucoup pensé pendant, quand on est en tournage toute la journée dans des orphelinats comme ceux qui existent là-bas, on ne peut pas ne pas y penser. Mais j'attends parce que je ne veux pas que ça soit un ersatz ou que ça soit le film qui m'est imprimé, je veux que ça soit quelque chose qui soit un vrai choix à moi. Retour sur Johnny, total 30 points. L'avion sort en juillet, le 20 juillet, un film pour enfants, un film de Cédric Kahn avec Vincent Lindon. Et notre invité ce soir, c'est une chance, Isabelle Carré, merci à vous.